Problème des visas, explication de l'ambassadeur de France en Algérie. Invité jeudi 10 novembre sur la chaîne Enahar, l'ambassadeur de France en Algérie François Gouyette s'est exprimé sur les difficultés rencontrées par de nombreux Algériens lors de la prise de rendez-vous en ligne pour le dépôt du dossier de demande de visa. L'ambassadeur de France en Algérie a fait savoir que les rendez-vous en ligne sur les sites des prestataires de services, à savoir VFS Global et TLS Contact pour le dépôt des demandes de visa sont gratuits. Mais, la majorité des demandeurs de visa sont dans l'obligation de passer par des intermédiaires et payer parfois le prix fort afin de pouvoir bénéficier de ce fameux rendez-vous. En réalité, ce que l'on ne sait pas, c'est que ces intermédiaires qui monnaient leur service, prennent des rendez-vous et saturent le système, et donc, plus personne ne peut prendre un rendez-vous. Ces agences et officines, qui n'ont aucune existence légale, rackettent en fait les demandeurs de visa en leur faisant payer des droits qu'ils n'ont absolument pas à payer, affirme François Gouyette.